C'est une victoire qui fait du bien après le match d'hier qui avait laissé des traces. Est-ce que vous avez douté un moment ou serein tout au long de la partie? Serein, ce serait être un... Non, c'était pas serein, mais on n'a pas... On n'a pas douté. Je pense que voilà, on a fait un match. On a été appliqué. Après, c'est vrai qu'après la grosse frustration d'hier, voilà, ça pouvait être un match un petit peu piège aussi face à des Égyptiens qui finalement jouent bien au ballon. Donc voilà, on s'est peut-être fait un tout petit peu peur dans le deuxième set. Je pense qu'il manquait juste un tout petit peu d'énergie et puis on a réussi à retrouver un petit peu de sourire et pour pouvoir finir la manche en 3-7. Ouais. Vous parlez du deuxième set, c'est là où vous êtes rentré, du sourire, de l'énergie, vous en avez apporté. Qu'est-ce qui vous a apporté comme ça? On a l'impression que vous avez changé le caractère de l'équipe. C'est la frustration d'hier? Non, mais c'est juste que les gars avaient la tête un peu baissée. Et je pense qu'il ne fallait pas forcément amener plus de qualité physique, technique ou tactique. C'était juste amener un peu de sourire, amener un peu de, voilà, un peu de folie. Et je pense que c'est ce que j'ai fait. Et c'est vrai que je l'ai bien fait, donc je suis content. Je suis content d'avoir pu amener ça à l'équipe et d'avoir permis à... Après, tout le monde a levé la tête et tout le monde a bien fini. Donc, c'était l'objectif ce soir. C'était important aussi de ne pas passer trop de temps sur le terrain pour récupérer un peu après le gros coma physique d'hier. Puis maintenant, c'est le repos. C'est quoi le programme? Ouais, bah là, on a un jour de repos demain. Donc, on va pouvoir bien préparer le match contre les Hollandais. Là, il nous reste deux gros matchs décisifs pour prendre un maximum de points pour la seconde poule. Donc là, on n'a plus le choix. Il faut que, si on veut aller chercher une médaille, il faut qu'on fasse de bons résultats pour être bien confiant pour la suite.